Donc, c'est Dr. Madiama Cisse, je suis agronome et point focal du groupe d'action agronomie du riz. Je suis de l'Institut sénégalais de recherche agricole du Sénégal, basé au niveau du centre régional de Saint-Louis. Alors, je viens participer à l'atelier de lancement sur les systèmes de production durables et diversifiés à base de riz, ici à Mbé. Donc, ce projet, nous avons suivi, n'est-ce pas, le contenu, la présentation du contenu du projet. Nous avons également présenté pour notre pays les contraintes et opportunités pour de la production de riz au Sénégal. Et nous pensons que dans les groupes de discussion qui vont suivre et par rapport aux activités qui vont être présentées au Sénégal, nous aurons l'occasion, sur la base de nos contraintes spécifiques, à essayer de, en tout cas, proposer des actions que nous devons mener, en tout cas au Sénégal. Donc voilà l'objectif de cette réunion et nous pensons qu'au sorti de cette réunion, nous aurons prochainement, n'est-ce pas, à dérouler avec vous, avec AfricaRice, donc les activités au Sénégal. Oui, au Sénégal, je pense que déjà il y a eu pas mal d'actions qui ont débuté avec Rice Advice. Et moi-même, j'ai participé aux premières activités de validation de l'outil. Et nous pensons que nous devons pouvoir continuer à faire ce travail-là au Sénégal. Nous avons également suivi une présentation sur les activités portant sur la gestion de l'eau, l'efficience de la gestion de l'eau. Cela nous intéresse et nous pensons que dans les discussions, on va voir qu'est-ce qu'on va retenir. Mais cette activité également nous intéresse. L'ISRA, en dehors même du projet PRUNSAR, nous avons actuellement des activités qui tournent un peu autour de ces questions-là. Et la présentation qui a été faite sur cette activité-là, en tout cas, nous intéresse et nous verrons quelle sera la suite à la suite des discussions.